Bonsoir. Bon, j'ai des problèmes de chat, donc laissez-moi régler ça 2 secondes. Ah, c'est bon, ça arrive, ça arrive. Bonsoir Capige, bonsoir Yuna, bonsoir El Niglou, je sais que tu es là quelque part. J'espère que ça va bien pour vous ce soir. Petit stream, j'avais prévu qu'on n'en faisait pas, c'est pas grave, vas-y, vas-y, vas-y. Qui va me lancer la première pierre? Sur moi, dis donc, hein, voilà. Donc, on retourne sur Minecraft. J'ai un peu joué hors live hier. Oui, c'était ça. Hors live jusqu'à oh, quoi, quoi, 1 h du mat, quoi, ça arrive, hein, ça va, ça va. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Puis après, on va partir, il y a des petits projets à faire. On va faire tout ça tranquillement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tout fonctionne là? J'ai pas oublié un truc? Non, j'ai rien oublié. Bonsoir, Silma. Comment ça va? Tout va bien, ok. C'est la musique. C'est la musique que j'oubliais. Je vais mettre un petit peu plus fort. Ouais. Allez, ok, on a du taf. Enfin, on a du taf. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait hier. RIP Capiche, oui. Oui, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors. J'ai un peu amélioré le chemin pour aller vers la ferme du coup à Enderman, qui met des niveaux de bâtard, comme vous pouvez le voir à ma vie actuelle, à mon niveau de barre d'XP. C'est donc ça. C'est l'XP que je cherchais. Ça donne des niveaux de bâtard. Donc j'ai fait un petit chemin plutôt sympathique. Voilà, merci, j'ai oublié de mettre. Voilà. C'est que dans la ferme c'est un peu horrible. Là j'ai fait un petit chemin de 4 sur 4. Voilà, un peu simple. J'ai pas mis d'escalier ici. C'est ce que je comptais faire. J'ai pas pris le temps de le faire. Ici on passe dans ce petit couloir. Première tâche, trouver mon passage secret. Mais non mais putain. Petit couloir, et là on a donc un escalier de 2 sur 2 qui se dévoile. Trouver mon passage secret. J'ai pas de passage secret à trouver. C'est bon, tout va bien, merci beaucoup. Voilà. On descend. Pip 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 pip. Guetter la mer, j'ai pas ouf par rapport. Est-ce que c'est juste toi ou c'est un peu le cas pour tout le monde? Attends, ça je vais l'augmenter un peu. Hop là. Pardon, hein, en même temps je fais ça. Voilà, je crois qu'on va mourir si je tape là. Ça va. J'étais censé vous montrer, mais en fait j'améliore. Bon, c'est pas grave. Voilà, on arrive ici. On passe donc par là. Ça, je n'en veux pas. Merci beaucoup. Je ne veux pas tomber. Merci. Voilà. Et on arrive sur ce. Zut, on a la fibre pour l'instant. C'est ta question. C'est ta connexion. Et si vous êtes sur. Si vous êtes sur. Comment ça s'appelle? Télé, ça galère un peu plus. C'est souvent le cas. Ça, c'est le temps que ça charge. Pas de panique. Voilà. On arrive ici. Donc, on voit que c'est pas de ce côté-là parce que j'ai mis un mur de pierre incroyable. Et qu'on a donc ce petit escalier par là. Qui, si on le prend jusqu'au bout, nous fait arriver à peu près directement. Au portail. Voilà. Bon, c'est un peu de marche. Bon, on est sur la télé, mais Dag, j'espère que ça va s'arranger. Eh bien, écoute, j'espère aussi pour toi. Je sais pas trop quoi te dire parce que j'avoue que je connais pas très bien le fonctionnement sur télé. On tourne ici et on arrive tout droit. Pratiquement tout droit. À notre portail de l'end. Zoup. Adieu. Et on est parti. Et là, du coup, on peut passer par là. C'est vrai que j'avais rajouté ça. Et comme on a des ailes, on va s'en servir. Et on arrive au milieu de l'end, où on a donc cette petite plateforme qui nous sert de ferme à XP. Voilà, j'ai pas été mis dans le vide. Voilà. Donc on va baisser le son des mobs hostiles. Voilà.
le micro est pas très fort par la musique. On t'entend pas bien. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je... Ça marche mieux comme ça. J'avais enlevé un petit peu. Très, très clean l'accès, merci. Merci, merci. Vous me dites après si, si quand la musique continue, ce sera pire. C'est vrai que j'avais changé la position du micro et c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais pas de soucis, très bien. Voilà, donc on a cette ferme qui fonctionne en fait. Il y a un petit mob qui est juste au-dessus qui s'appelle l'Endermite, qui en gros se spawn avec une chance de merde quand on se téléporte. Du coup, tu prends des Ender Pearls, tu en mets plein à la suite et au bout d'un moment, t'as peut-être la possibilité. Que ça marche et que tu trouves une endermite. Et en gros, l'endermite, eh ben, les enderman, ils aiment pas. Du coup, tu l'utilises un petit peu comme appât, comme bait, comme on dit, pour que tous les enderman se ramènent vers toi. Le seul problème, c'est que du coup, les enderman, là, c'est chiant parce que... Pardon, c'est peut-être un peu trop proche de moi. Je viens de taper dedans avec ma lèvre. c'est peut-être... Le seul problème de cette ferme, c'est que du coup, les Enderman, là, ils sont full vie quand ils arrivent. Il n'y a pas d'endroit où ils perdent de la vie, etc. Et du coup, c'est un peu chiant. Et du coup, je me dis, est-ce que je l'améliorerais pas avec la ferme, vous savez, où ça, ils tombent de très haut et du coup, ils sont genre un demi-cœur, un truc comme ça. Ce qui permet tout simplement de ne pas avoir à attendre trop longtemps. Ce qui serait encore plus cheaté que la ferme actuellement, mais bon, en même temps, c'est pas très grave. Pour l'instant, c'est très cool. On a quand même réussi à avoir 55 d'XP en très peu de temps, donc je me dis. That's okay. Ils ne t'attaquent pas ? Bah, quand tu les regardes pas, les Enderman, ils t'attaquent pas. Donc, c'est nickel. Ceux qui étaient sur ton chemin là. Ouais, ouais, non, bah, si tu les regardes pas, tout va bien. Ouais. Voilà. Donc moi, mon deuxième problème aujourd'hui, mon premier problème aujourd'hui, parce que du coup, pour l'instant, il n'y en a pas, c'est cette putain de ferme à creeper. Musique encore un tout petit peu plus forte. Un tout petit peu forte. Mais je suis con, en fait. Moi, je peux l'augmenter, mais je peux vous la baisser ici. Voilà. En fait, c'est que je n'avais pas baissé dans le mixeur. Forcément, forcément, je suis pas assez fort. Il est con, lui. Mais baisse pas trop car c'est kiffant. Je te le mets là, je pense pas. Ayuna dit qu'il faut aller voir sa tour aussi. Ok, et eh ben on y va. On y va tout de suite. On y va tout de suite. Ayuna qui s'est postée. Voilà. Vers là-bas. Oh putain de merde. C'est qu'elle a taffé. C'est qu'elle a bien taffé. Ok. Allez, on va remettre ça. Donc, si on revient au début. Parce que je sais pas si vous aviez vu. Aïe. Donc on arrive ici. Un petit chemin de Fleur. On arrive donc dans ce petit hall. Avec les plantes qui descendent. Et c'est très joli avec cette fontaine. Au milieu très très bien réalisée, comme on dit. On arrive là. On a ce petit endroit, salle des coffres un petit peu, qui donne sur le trou. Sur le trou. Voilà. Et sur la plaine aussi. Plaine de sapins. Il n'y avait pas de sapins avant. Marrant. Bizarre. Attends, j'ai baissé un peu pour moi le son parce que pour le coup là je ne m'entends plus parler. Mais je l'augmente un petit peu pour qu'il soit vers les 30. C'est bien. Je suis perdu. Voilà. et donc. On a la chambre ici. On a plus la chambre ici. Il y avait un lit, fut un temps. Et il n'y avait pas de trou ici aussi, fut un temps. Et c'était pas bouché ici, fut un temps. Ok, donc on a un abandon de cet endroit, que je trouvais très joli, mais bon. Too bad. si on monte là, du coup. Voilà. Ah, il y a des petits escaliers. Très mignon. Ah, le lit est pas... Le lit est là. Ah oui. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Ayuna, tu n'as pas bien éclairé ta zone, je pense. Je vais le faire pour toi. Hein.
putain, mais c'est pas possible. Sa mère. Sa mère. Voilà. Ok, je vais l'éclairer un petit peu plus, hein. Tu m'en voudras pas. J'espère. Voilà. Putain. Tac. Voilà. Donc on arrive sur cette tour assez cool, j'aime beaucoup. Ah, c'est vraiment très stylé. Le bloc est trop cool. Aïe, je suis tombée. OMG, il y a beaucoup de fleurs. C'est trop stylé. Alors là, petit problème. Là, on n'a pas le droit de faire un faux pas. Mais très très stylé. Ah, j'aime bien le plafond en vert là. Et là, donc t'arrives en haut. Oh, petite petite salle des coffres. Je vois que tu as des endroits où tu veux pas que la liane pousse trop. Ok, ok, ok. Très stylé. J'aime beaucoup. Et donc là, tu as une... j'aime beaucoup. Un petit peu un départ Elytra. C'est très stylé. Ok, très 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 cool. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Un truc qui pourrait être trop stylé, c'est le vert, mais en vert. Un vert vert. Un vert vert. Voilà, donc on revient au village. Un autre truc que je voulais aller checker, c'était cet endroit là. Est-ce que ça fonctionne ici? Aïe. Non, tout va bien. Ok. Non, ça ne fonctionne pas, hein, bien sûr. Parce qu'on n'est pas dans les chunks où ça se voit. Et donc ça ne marche pas des masses cet endroit. Mais non. Ok, j'ai absolument rien dit. Ça marche vachement bien cet endroit, dis donc. C'est fou que ça marche aussi bien d'ailleurs. Le dôme en vert est aussi de fou. De fou, le dôme est trop cool. Il y a beaucoup de fleurs. Mais ça, tu l'as déjà dit. Très cool. Ok. Là, c'est encore le bordel. Il y a plein de trucs partout. Putain, mais du coup, ça fonctionne bien ce truc. Mais c'est absurde. C'est absurde. Ok, vas-y, je vais monter en haut. J'ai juste 2 étages, mais du coup, ça marche. Bon, ça marche pas très très bien non plus, mais ça marche mieux que ce que je pensais. Est-ce que là, ça fonctionne ici? Ah, tiens, parce que j'ai pas mis les trappes d'or ici. Je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais. Peut-être aller chercher des trappes d'or, ça peut-être m'aider. Je me sens nulle avec mon truc rose moche. Après, on n'a pas trop eu le temps de taffer dessus, hein, t'inquiète pas. Hein. J'ai pas très envie de te dire le nombre d'heures qu'Ayuna vient de passer dernièrement sur le serveur. Mais je pense beaucoup. Bonsoir. Je me suis craqué, oui, bon voilà, ça arrive. Je voulais des trappes d'or que j'ai foutu où? Ah là, nickel. Zoup. On va améliorer ces petits endroits. Wouhouhou. C'est pas moche, Katou, j'ai beaucoup joué. Et oui, c'est vrai qu'en plus, c'est pas... Ok, ok, ça marche vachement bien. C'est cool, ça marche super bien. Et voilà, en fait, il faut juste un petit bait. En fait, pourquoi il y aurait besoin de trucs ici? Putain, il y a du monde en bas. Bon, bah, allez voir. Allez voir, allez voir. Troupe. Quoi? Pourquoi? Ok, j'ai eu très chaud. Affreux. Bon, bref, il y a des trucs qui marchent mieux que les autres, hein, mais. Tout. J'ai suivi des tutos. C'est vrai que t'as suivi des tutos. Oui, nous aussi on avait essayé, mais pas facile pour les dômes, je trouve. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas facile, mais justement, c'est bien, c'est un petit défi, je trouve.
Qu'est-ce qu'il veut lui? Non mais j'ai ras le cul, il fout des blocs partout, absurde là, c'est trop chiant. Bonsoir. Ouah! Ok ça. Bon bah écoute, ça marche mieux que ce que je pensais ici. C'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne chose. Du coup, je sais pas si j'ai vraiment envie de refaire tout un truc pour les creepers. Oh man. What? Pourquoi y a un loup là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour, mais bon, mais bonjour, mais pourquoi? Tu t'es perdu, mon gars. T'es totalement perdu. C'est peut-être au bout d'un moment, quand il y a trop de sapins sur les côtés, et ben il est obligé de venir. Ok. Alors, je vais aller faire un petit peu de. Ah, j'ai de quoi, j'ai de quoi, j'ai de quoi. Voilà. Bon, j'ai pas encore une ferme automatique de fireworks, quoi. Ce serait bien que ce soit possible. Un peu comme dans Factorio, je sais pas si vous connaissez ce jeu. Oui, nous aussi on avait essayé, mais pas facile pour les deux. Ah, oh tiens, vas-y, amadoue-le. Bah, je vais l'amadouer. Allez hop. J'espère que 7 ce sera assez. Il est où? Let's go! J'ai un peu de peau de merde, non? Doudou. Pourquoi j'entends pas pincette là? Ah. Doudou. Pardon. Pincette, très bien. Alors, dans mes projets, excusez-moi. Dans mes projets, j'ai réussi à mettre Unbreaking 3 sur mes élytras. Et j'avais du coup pris des niveaux pour justement trouver des livres Unbreaking, donc 2, je crois, pour les ailes de Ayuna. Unbreaking 1, tiens donc. Je suis d'accord. Faudrait que je les range par. Faudrait que j'ai un rangement. Enfin, des coffres. Mais pour juste ça. Genre en fonction de si c'est plus tel ou tel truc. Voilà. Bref, vous m'avez capté. Donc j'ai un Unbreaking 1. Il me faut du coup un deuxième Unbreaking 1. Et j'aurai assez pour lui faire un Unbreaking 3. Si je suis logique. J'ai plus mes livres. Ils sont où mes livres? Je les avais peut-être rangés. Non, ils sont là-dedans. Je les ai pas vus. Non, je les ai pas vus. Bah là, il y en a 23. On va prendre ceux-là. Allez. Ah bah directement dans Breaking 3, est-ce que c'est y a moyen de faire ça? Je vais tester. On est d'accord qu'on peut pas mettre un Breaking 3. On peut pas avoir un Breaking 4 par exemple. C'est trop demandé. Est-ce que c'est trop demandé? C'est trop demandé. Vas-y, je vais aller voir. Je vais aller voir. J'ai changé de couleur mon pseudo pour différencier avec Alina. Merci beaucoup parce que j'arrivais pas à différencier. C'est très gentil. Waouh. Mais ça marche pas. Si, moi je le vois, en tout cas. En tout cas, moi je le vois. Je sais pas si ça fonctionne pour vous, mais moi je le vois. Allure. Ouais. Où qu'est-ce qu'elle est? Bonjour. Tu es où? Where are you, my friend? Verru. Touk touk. Merci bien.
je peux avoir tes élytras pour y mettre un breaking 3. Je cherche du cuir. Ah. Où est-ce que je cherche du cuir? J'imagine par là parce qu'il y a quand même pas mal de. J'arrive chez moi. Ah, ok, d'accord. Zoup. Ça, c'est pas possible. Ok, vas-y. Ok, nickel. T'as un. Comment on appelle ça? Une. Ok, bon, c'est pas grave. J'arrive. Hélicotope. Vous avez vu ça ou pas? Je me suis fait des hélicotopes. Alors. On va faire ça rapidement. Ici, tranquillement. Voilà. Très bien. Alors, on a des Elytra Unbreaking 2. Si je mets directement Unbreaking 3. Ça marche. Et ben, très bien. On fait ça. Elytra, j'ai un Unbreaking 3. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Arrête de foutre des torches partout. C'est insupportable. Ok, let's go. Attends, j'en peux plus de cette musique, on va changer. Ah, bonsoir. Bonsoir. J'avais pas vu, elle avait des lunettes de soleil trop si. Ok. Très stylé. J'aime bien la musique. Vous aimez la musique? Je t'ai filé des litra normalement. Voilà. C'est fait. Je vais lui en donner un peu. Ah, let's go! C'est trop stylé. Trop stylé. Trop kiffant, j'adore. Ok. Bon bah voilà. Non mais ça va oui. Qu'est-ce que je t'ai fait? Très bien. Bonne journée. Bonjour. Je me suis trompé. Je me suis trompé de mot. Bon voilà. Ok, donc mes projets actuellement. On a fait les élytras, c'est ok. passage secret. Ah putain, c'est vrai! Le slime. Casse les couilles. Peut aller chercher du slime. Attends, j'ai des sons là. Pourquoi j'ai des sons là? Ah, merci. passage secret, c'est trop cool. Le passage secret, c'est trop cool. Lequel? Vraiment, genre lequel?
Il y en a beaucoup trop. Le passage secret, c'est trop cool. Celui du Sylvain. Hein? Comment ça, Sylvain, il a fait un... Attends, 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 attends. Mais... Silma a fait un passage secret? Attends, il était en bas. Il était en bas. Ok, c'est ma quête pour ce soir. Je l'avais suivi un peu parce qu'il était chelou. Et genre, il faisait un peu des trucs random. Et on était venu en bas. On était venu par ici, on était descendu là. Vous voyez, il y a un escalier là, on comprend pas trop, mais c'est juste Silma qui était bizarre. On était descendu donc ici. En fait, moi j'avais mes objectifs, du coup, en fait, j'ai un peu laissé. Et là, je sais pas trop ce qu'il a fait. Non, je crois que c'était pas là. Non, c'était pas là. Non, il me faisait peur là. Il me faisait peur. Il me faisait peur. Il me faisait peur, il était bizarre. Enfin bref, normal quoi. Daily life, Silma, j'ai envie de dire. Mais du coup, je sais pas ce qu'il a fait. Sais pas si c'est ici ou si c'est vraiment genre autre part. Ah! C'était donc là. C'est flippant de ouf! Qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Et là, le but, c'est juste de mourir. What? D'accord. Merde. Bon, bah, du coup, j'ai piqué l'eau. Je pense que c'est un des tiens, ça. Ah non, clairement pas, c'est pas un des miens, ça. Ouais, du coup, j'ai plus d'eau. Mais what? Ah bah si, en fait. Ça, c'est une mine où, genre, je prenais juste... J'ai l'impression. Attends, quoi? Mais du coup, il vient d'où, là? On venait de là. Bah c'est tout du coup. C'est en général ça avec Sylvain, c'est que c'est absurde. Et après on n'a pas de suite. C'est juste absurde. Bon, ça me fait rire aussi, mais... Très bien. Et bah merci Sylvain pour ce passage secret. C'est absurde. C'est absurde. C'est totalement absurde. Voilà, je cherche à mourir. Non, voilà, merci. Là, l'idée, c'est de retrouver l'endroit où on vient. Je crois que c'est là. Voilà. Bonsoir, Sylma. C'était super comme passage secret. Super. J'ai aimé. Apprécié. Voilà. Ok! Ah bah c'est vrai que j'ai aussi la salle des potions à faire. Est-ce qu'il y a des news sur le QSMP? Parce que c'était aussi la raison pour laquelle j'allais pas streamer ce soir. Ils avaient dit que le serveur ouvrait à 19h. Je sais pas s'il y a eu des news sur ce qui se passe du coup. J'ai pas l'impression. J'adore cette musique. Non, j'ai pas l'impression. Bon, on va profiter alors, on va profiter de la vie, on va essayer de faire des nouvelles choses. Vois que tout le monde fait une pause aujourd'hui. Ah, ok.
Parce que le compte QSMP avait l'air de dire genre ouais, il rouvre à 19h et vous aurez les réponses de qui est mort ou pas. Donc tout le monde est mort. Oui, il est mort. Est-ce que quelle heure, quelle nuit il fait là? Moi aussi j'aime beaucoup beaucoup cette musique. Ça je le sais ça. C'est pas une nuit pleine encore là. Quand est-ce que c'est la nuit pleine? Casse les couilles. Parce que comme ça on pourrait finir le putain de choses là. Après tu me diras, j'avais réussi à trouver du slime dans la grande. Si on retourne dans le Nether. Dans le Nether. Yeah, man. Vas-y. J'allais dans le serveur. Dans le serveur. Dans le Nether. De l'eau de qualité, ne fais pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Non, t'es sérieux là? T'es sérieux? C'est une putain de blague? Quoi? Mais non. Mais non. Mais je l'ai même pas lâché 2 secondes. Trop intelligent. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Pour être très honnête, je n'avais pas envie de perdre mon épée maintenant. J'avais vraiment pas envie. Je me suis dit, il y a le portail à côté. Peut-être elle a voyagé. Ok. J'ai eu peur. Donc, il y avait une grosse grotte. Eh bien, je pense que c'est celle-là. Oui, je crois que c'est celle-là. On va retourner dans la grotte là où on a trouvé l'end. Parce que probablement. C'est quoi cette musique? Probablement. Ok, j'ai eu peur. Bonsoir. Probablement, il y aura du slime. Alors, peut-être pas, mais on peut espérer. Espérez, laissez-nous au moins ça. Twink. Let's go. Ça va quand même assez rapidement en fait maintenant. Quand on se perd toutes les 2 secondes, c'est vrai que ça va pas très rapidement, mais quand on se perd pas, plutôt pratique. Vous ne trouvez pas? Bien. C'est juste ça parce qu'en fait les blocs ils despawnent pas quand on les jette juste. Et je suis à peu près sûre que tous les trucs que je jette quand on va ok, donc ça c'est ici. Je crois que c'était ici que j'avais trouvé du slime. Peut-être j'ai de la merde. Hein. Et au pire si on trouve pas du slime, et ben on trouvera peut-être de diams, peut-être quelque chose. Ok. Merci. J'ai pas très envie d'aller dans Chain City. Ou alors je peux vous montrer à quoi ça ressemble. C'est fun ça. Merde. Ok. Ah mais du coup j'ai plus de seau d'eau. Oh le con. Oh le con. Attends, vas-y, j'ai encore besoin de lapis, on sait jamais. Je n'ai pas énormément, autant qu'on en prenne. Merci bien. Très cool. Oh. Ok, donc vous voyez. Là, en gros, l'idée, c'est normalement ne pas. Barrez-vous!
Ces trucs là c'est des capteurs je crois. Et en gros faut pas se faire capter plus de 3 fois. Parce que sinon je me fais déglinguer la gueule. Mais c'est pas juste je me fais déglinguer la gueule, c'est je me fais déglinguer la gueule. Voilà, vous voyez? Là je marche. Et ouh. Vas-y, je veux ça, merci. Pourquoi ils me font tous chier là? C'est terrible. Tu as la chair de ton pote dans la main. J'ai juste récupéré de l'eau. Ça va m'aider. On va essayer d'y aller. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai encore... Ouais, il y a pas mal. Vas-y, on va récupérer un petit peu d'eau. Non, je suis retombée en arrière. Bon, on va juste monter comme ça tranquillement. C'est très très haut comme grotte. Là, il y a des émeraudes là-bas. T'as un mine shaft juste au-dessus, là. C'est absurde. C'est complètement absurde. Ok, donc là, normalement, ça, c'est une source infinie. Et oui. Oh, waouh. Oh, waouh. Attendez, je veux juste aller voir parce que c'est trop beau. Ouais, c'est de moins en moins beau. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout bonnement incroyable. What the fuck. Cette grotte est oufissime. Avec l'arbre au milieu là. Ok. Bah écoutez, je vois pas de slime. Ouf, j'ai peur. Je vois pas de slime, vas-y, si on va juste là, là. C'est pas très éclairé quand même. Hein. Ça manque de d'éclairage. Bon, je vais vous montrer l'Ancient City. Parce que du coup, je me souviens que j'avais déjà trouvé une Ancient City là. Une Ancient bah, du truc là. Enfin, bref, de ce dont je vous parle depuis tout à l'heure là. Ancient City. Le seul problème c'est parfois tu peux trouver juste des bouts comme ça, mais en fait la vraie Ancient City elle est pas exactement là. Et ça je sais pas du coup exactement où elle est. Ça qui est chiant. Ça qui est chiant, mais du coup on va essayer d'y aller. Si on descend par là. Le seul problème aussi dans l'Ancient City, c'est que nous, on ne voit absolument rien. Voilà, on ne voit pas un truc. Donc, je veux bien qu'on y aille, mais c'est vrai que c'est compliqué. Voyez là? Ces trucs là, là. Dès que je marche. Si je prends ça. C'est effrayant. C'est effrayant. Et c'est un peu dégoûtant aussi. Voilà, je sais pas par où trop par où on peut trop aller. Si on casse ça. C'est pas forcément dire que c'est là en fait. Peut-être c'est en plus en bas, plus. J'en ai aucune idée. Vas-y, on va prendre mon autre pioche. Enfin, si c'est plus en bas ou si c'est sur le côté. Oh, je sais pas. Genre à un moment j'en avais trouvé un, mais en fait le vrai truc était genre 40 blocs, 50 blocs plus loin. Enfin 40 blocs Ouais non j'ai pas trouvé. Je m'y connais pas très bien en Ancient City, j'ai juste cherché Ancient City Minecraft.
Ah, en Y-52. Bon, bah du coup, on va aller en Y-52. Merde. Bah, on y est déjà. lol. Lol, lol. Que des lol. Bon, après, c'est assez immense en général comme truc, donc on va pouvoir finir par tomber dedans au bout d'un moment, je pense. Si je vais au bon endroit. J'en ai aucune idée. Non, ça n'a pas l'air d'être par là. Bon, ok. Chiant, 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 chiant. Ça? C'est par où? Effrayant! Oh. Peut-être derrière ça? Il me capte encore là, c'est chiant, ça me stresse. Ah. S'il y a une grotte ici, c'est qu'il doit pas être bien loin quand même. Je me déco, on va manger, mais on t'écoute sur le live. À tout. Pas de soucis, à tout. À tout, à tout, à tout. Mais c'est où? Ah là là, ça me dégoûte. Pas pourquoi ça me dégoûte autant, mais ça me dégoûte. Comme si c'était vivant comme bloc, tu sais. Et du coup là je suis Y combien? Pardon, 32. Moins 32, bah du coup si on descend. Genre par là, je sais pas pourquoi. Descendons pour voir. Trouve pas. Ah, attends, je regarde juste les autres infos que je puis avoir. Que je puis avoir. Pour qui je me prends? Allez, d'accord. Vous commencez à entendre les bruits qu'émettent les capteurs. D'accord, ok. Le Deep Dark. D'accord, en fait, donc c'est en moins, c'est en zéro. Pourquoi il y a plusieurs infos différentes? Putain de merde. D'accord, et eh ben vas-y, attends, c'est quoi ce bloc là? C'est juste un bloc normal, d'accord, j'ai un dé. Si on descend encore. Voilà, donc on est à la couche 0, donc ça ne va pas être là. On va remonter. Peut-être plus haut, hein, peut-être. Ça m'étonnerait grandement, mais et bon, écoute, c'est possible. Genre par là, là. Non, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est pas juste ça, une Ancient City, c'est vraiment un énorme lieu. Si on avance dans un endroit précis, genre disons on avance, ouais, comme ça, genre
merci. On tente. J'avais pas vu un autre endroit où il s'était contaminé un peu comme ça. Contaminé, pardon. Attends, on va remonter parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu du coup un endroit. Oui, bon, voilà, j'entends bien que vous me captez, j'entends bien. Merci. Peut-être que c'était censé être là. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait cette histoire, ça m'étonnerait. Rien de tout ça n'est réel. Quelle est ta définition du réel? Est-ce qu'il n'y avait pas plus loin par là? Peut-être pas, hein, vraiment peut-être pas, mais juste pour aller check. Bonsoir. Bonsoir. Non, j'ai pas l'impression. Bon bah écoutez, on va se balader dans cette petite petite grotte parce que j'ai la flemme d'aller chercher le warden, j'arrive pas à trouver. Merci, barrez-vous. Oh! Et oui, j'avais raison. C'est bien que ce que j'avais vu. Ok, alors attendez, on va se calmer, Mais d'où? Ok, donc il y a juste les mobs absurdes, tous plus absurdes les uns que les autres qui se rassemblent ici. C'est une réunion des mobs absurdes ou quoi là Ok. Ok. Oh là là, le kiff. Oh le kiff. Voilà, merci, bonne journée. Merci, bonne journée, j'ai dit. Merci, bonne journée. Voilà. J'ai dit bonne journée. La peur est là. Ça me fait chier tout ça. Et c'est pour ça que j'ai des Shulker Box. On va ranger tout ça là-dedans, tranquillement. Merci bien, et on va prendre en échange des petites potatoes. Des petites potatoes, tranquillement. Bah écoute, il y a des creepers, on va se servir. J'en ai besoin. Autant les prendre. Sa mère. Vous pouvez arrêter d'exploser? Non, non! Oh, sa mère. Voilà, donc je suis nul à chier. C'est probablement là que j'avais trouvé un slime la dernière fois. Parce que les... Voilà. Nickel. Vraiment parfait. C'est exactement ce que je voulais. J'ai l'impression qu'il dit Corona, mais peut-être c'est que moi. Peut-être c'est juste moi, mais... Corona! Tout poutou. Il en faut combien pour la redstone là? Allez, on va rentrer à la maison. Allez, j'ai tout ce qu'il me faut. Tant pis pour le warden. On le verra un autre jour. Ça me fait chier de creuser dans des blocs pour chercher un truc que je sais pas exactement où c'est. Donc, je me barre, vous entendez? Je me tire d'ici. Oh waouh! Incroyable! Impressionnant, mais qui va là? Ok, c'est parti. Hello, je reviens d'entre les morts. Ravi.
Mon PC était décédé, carrément. Il est ressuscité. Tu m'envoies ravir. Ravir? Tu m'envoies ravir? Tu m'envoies... Je ne sais pas. J'ai vraiment vu sa vie défiler devant mes yeux. Je me souvenais le recevoir. L'ouvrir avec toi. Mais what the fuck, il se passe quoi là? Dans un lieu sans connexion. Putain, c'est vrai, je m'en souviens. What the fuck. Je me souviens de ce moment, j'avais oublié. Tu viens de me rappeler un souvenir là. Où nous jouions en solitaire. Mais oui, j'en souviens. Il faut sur des vidéos. On avait fait des vidéos. Je sais pas. Si tu les as, les vidéos, j'aime bien. Ouf. J'ai encore failli tomber. Histoire de ma vie. Si je les ai. Ah, je les veux. Je veux savoir, je veux voir. Des photos plutôt, je crois. Ouais, ok. Tu me diras, j'ai fait ça avec mon PC portable quand je l'ai reçu. Et bon, j'étais tout seul, mais... Quand est-ce que j'ai reçu? Je me rappelle plus où j'ai reçu mon ordi PC. Let's go! On a du slime! On a réussi à faire ce qu'on voulait. Même si ça nous a pris plus de temps que vous, c'est un rêve utile, je crois. Probablement. Écoutez, on va enfin pouvoir finir ce truc. Mais je t'aime fort, hein. Pardon, ça me fait beaucoup rire. C'est vraiment l'irrespect le plus total. Je te regarde là, mais je suis con. Ok, il me faut. Je t'ai entendu. Oui, bon, ça va. Ça va. Ça va. Ok, il me faut tout ça. Bon, j'ai tenté de faire une plus belle maison. Tu as été motivé par... Mais faut que j'arrête de parler de... Tu as été motivé par Ayuna. Et si tu as besoin d'aide, si tu veux que je t'apporte mon soutien, je peux... Comment ça j'ai pu te faire? Comment ça mon ref? Ah ouais d'accord, ok, j'ai vraiment pu te faire. Bon c'est pas grave, on va aller faire ça. Comment ça mon ref? Je te dirai, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche. Ok, donc il me faut de la pierre et du bois. Le plan est d'abord de mettre des fers partout, c'est un bon plan. C'est un très bon plan. Est-ce que ça marche avec de la n'importe quel bois? Yes. Ok, j'en veux 3, je crois. Je crois en vouloir 3. Let's go. Ok, ok. Yes! Yes! Ah, 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 ah. Am I scary? Am I scaring you? Ok, donc là, disons. Disons. Quoi? Ok. Ok, on retente. D'accord. D'accord.
pourquoi ça marche pas? Je comprends rien. Je me suis trompé, il y a un truc que j'ai mal fait ou... Non. Ok, vas-y, on va essayer de pousser ça déjà. Je veux bien qu'il s'allume ça, si c'est possible. Voilà. Tu as vu ton cadeau, capiche? What? Pourquoi ça... C'est pas ça que je voulais faire. Ça fait beaucoup rire, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Pourquoi là ça ajoute du courant? D'accord. Je comprends pas ce putain de truc. D'accord. J'aimerais bien que tout soit allumé. Pourquoi tout veut pas s'allumer là? Ah, je sais. Ok. Je sais. Comment on fait du stained glass à partir de cette glace? J'arrive. Ok, tête derrière là. Ok, vas-y. Si on en fout là. Si on en fout là. Voilà. Ah là. Pourquoi j'ai fait la chef là? C'est... Je m'appelle Monsieur Seguin ou quoi? Ok. Non, merde. Mais c'est trompé. Merci bien. That's alright. That's alright. Excusez-moi, je pète des petits ponts. Petit pont. Ok. Si on remet bien comme c'était avant. Il y avait un truc donc comme ça. Voilà. Et un truc comme ça. Ok. Donc là c'est ok. Là c'est nickel. Là c'est ça qu'on veut. Maintenant, est-ce qu'on arrive à défaire? Non. Pourquoi? Là c'est ok. Là c'est pas ok. Ah. C'est trop chiant. C'est insupportable. Ça ne marche pas comme je veux. Ça ne marche absolument pas comme je veux.
Ok, ça c'est ok. Non. Pourquoi ça marche plus là? Je sais pas s'il y a vraiment une logique dans les trucs ou si c'est juste... Là c'est à fond. Là ça va faire reculer celui-là, mais c'est pas celui-là que je veux qui se recule. Sa mère! Sa mère! Sa mère! Mais d'accord que ça ne marche pas du tout et que je n'ai aucune idée de comment faire pour que ça fonctionne. Est-ce que cette base-là est commune pour tous? Tous et toutes. Parce que dans l'idée ça peut fonctionner, hein, mais dans l'idée c'est une très bonne chose. Il faudrait que ça marche dans la. Alors, on va se faire une séance visionnage. Porte Minecraft comment ça s'appelle? En libraire là, enfin sa mère le truc pas en pupitre, je veux pas un truc de pupitre. En bibliothèque, that's right. Comment ça s'appelle les bibliothèques qui quand tu mets des livres dedans? Porte Minecraft bibliothèque. Ok. Ok. Ouais, let's go. En fait, j'ai l'impression d'avoir compris le concept et du coup, c'est juste impossible à faire en fait. Parce qu'en gros. Plus tu mets, si j'ai bien capté, c'est plus tu mets de livres ou plus t'en enlèves, en fait t'as genre des crans de redstone et que du coup bah en fait ça marche pas avec mon circuit. Je crois que c'est ça le problème. Ok. Tiens là ça l'a pas pris du coup. J'ai l'impression que c'est juste random, c'est insupportable. Donc, je n'y comprends rien. Voilà, c'est les résumés qu'on peut en faire. Je n'y capte rien, sa mère. Passage secret Minecraft bibliothèque, vas-y. Non, pas juste passage secret sans aucun putain de... Minecraft bibliothèque. 1.20. Ok, ok. 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 Je crois que je capte rien. Bon, on fait un autre projet. Ah, ça me casse les couilles. Ça me saoule. Ça me saoule, je capte rien. Donc on va passer à autre chose. Ok. Ok.
Ok, je ferai en live, c'est pas grave. Au moins, on a récupéré les objets dont j'ai besoin pour le faire, donc maintenant. Voilà quoi! Maintenant, voilà! On va ranger le petit coffre. Attends, ouais, non, ça je vais le laisser ici quand même. Ok. Unbreaking. Attendez. Vous voulez vos cales? Je vais voir le cadeau là. Quel cadeau? Pas suivi. Où ça? Attends, lapis, bam. Pardon. Non, je ne rigole pas à ça de mort. Je ne... Ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est que c'est... Voilà. Parfois, ça fait rire. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est que je suis méchant? Non. Qui est-ce? T'avais laissé un truc pour Capiche. Mais tu l'avais déjà vu, non? Bah, je crois que tu l'avais déjà vu. J'ai déjà eu deux fois des cadeaux, oui. Elle n'a pas eu de nouveau, hein. Au top, j'ai des 3 IP. Attends, non, sinon j'ai un autre cadeau dessus, mais. Mais ça, c'est. Ça a pas changé quoi. Mais alors, sinon, t'as celui-là. Voilà, si tu veux un autre cadeau. T'aimes bien ou pas? Allez, venez, venez, on va en vocal. Ça vient d'où ça? Mangrove. Swamp. Si ça t'aide à repérer... Ah putain, ok. Allô? Allô? Attends, on t'entend pas. Allô? Allô? Ouais, trop bien. Je remarque que tu me baisses après chaque stream. Hein? Hein? Mais non. Non, c'est juste que là, c'était pas le bon channel. Ouais. Alors, si Capiche veut bien nous rejoindre. Non, je lui ai filé le bois de mangrove là parce que c'était quand même un joli bois. Parce que moi j'avais vu le coffre avec marqué. Oui, mais c'est qu'elle elle l'avait pas récupéré, mais. Ah, elle l'avait déjà vu. Ouais, okay. Elle l'avait déjà vu. Vous voulez m'aider pour ma maison? Je fais comment pour les renouveler? Okay. Je sais pas si on peut. On est en vocal si jamais. Ça sera plus simple, ouais, je pense. Ouais, pour discuter. Ouais, bah en fait, j'ai reposé mon lit, j'ai oublié de cliquer dessus, du coup, quand je suis morte, ça m'a envoyé. Tu veux que je te TP? Non, t'inquiète, je suis en train de prendre du sable et je vais passer par le nether. Ça marche. Oui, c'est vrai que maintenant en fait il y a le nether donc c'est plus simple. Heureusement que j'ai fait ça. Hein. J'ai bien envie d'en faire un portail chez moi du nether. J'aime. Ouais, tu veux. Tout coup, tout. C'est très dur à faire, non? Faut juste non, avoir non, de la. L'obsidienne. Ouais, ah, et de quoi l'allumer. Oh oui, mais ça c'est facile à. À craft, non? Oui, ouais, c'est très facile.
Le packing 1, le coffre de scie. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Attends, vas-y, je vais faire. Ça me fait bizarre de passer devant mon ancienne maison de il y a deux semaines. Attends, c'était où déjà? Ah, bah oui, parce qu'il avait fait un truc près de son lieu de spawn. Oula! Oula! Oui, mais vous m'avez pas entendu? J'ai déjà parlé plusieurs fois. Ah non, moi j'ai pas entendu. Bonjour. Pardon. Je t'entendais pas. C'était bizarre. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une petite salle de coffre pour les bouquins d'enchantement. Je sais pas où la foutre cette salle de coffre. J'ai encore été voir comment on fait les stained glass. Normalement, tu peux le voir. Où est-ce que j'ai foutu? Tu peux le voir dans mes recettes. Où est-ce que j'étais juste avant là? En bas? Ouais, c'est ça. Ouais, il est bien là. Tout ça là, c'est de la merde ça. Mais si je mets des cerisiers n'importe où, ils vont pousser? Oui. Ah ouais. On peut aussi faire qu'ils poussent plus vite avec le bonne mille là. Mais non. Non, mais tu parles des arbres. Ouais. Bah oui, oui. Bah, je vois, je pense. Incroyable. Ok, bon j'en avais déjà du coup. Non mais alors moi ce que je cherche, c'est un endroit où je pourrais faire une petite salle de coffre. Ça va? Ça va? Tu veux l'aide? Mais du coup non, tu vas me donner... Parce qu'en gros là si on fait un truc en dessous, et eh ben non c'est pas possible. Parce qu'on arrive en dessous... Alors faut pas des ça. Conditions spécifiques aux arbres? Pardon, je t'ai coupé. Oh, il pleut. Ça me fait plaisir de jouer avec toi, Capiche. Pourquoi? Ça fait longtemps. Parce que je fais des réflexions débiles sur le jeu, c'est ça? Non, ça fait longtemps, c'est bien. D'accord. Ça peut être là-dedans, là. Ah non, ça peut pas. J'ai rien dit. Est-ce que quelqu'un a des trucs de bonne mille ou faut que j'aille tuer des squelettes? Je pense que tu vas devoir aller tuer des squelettes. Non, j'ai conne. Il y en a plein dans mes coffres. Serre-toi. Vraiment, j'ai au moins 4 coffres de ça, je crois. Putain, c'est pas exactement comme ça, ça me semble. Il y a des bambous qui sont très très grands près de chez toi. Ouais. Je pensais pas que ça pouvait être aussi grand. Ouais. Ah, c'est parce que j'ai un petit pied. J'ai pas d'endroit. Il s'est poussé haut. J'ai pas d'endroit. Ça peut être en dessous. Ah, mais c'est chiant de devoir bouger. Après, ça donnerait un but à cet endroit. Mais sauf que c'est débile d'avoir un endroit pour les livres. Rangement de livres. Et un endroit. Oh, tu me diras. Et les blocs que tu m'as montrés de la mangrove, du coup, pour le coup, t'as pas de quoi faire pousser ce genre de blocs? Je crois pas, mais j'ai fait un passage dans le nether pour y aller rapidement. Ok. C'est chiant, cette histoire de merde, là. Est-ce que je peux en foutre? Parce que là, une salle des coffres ici, c'est quand même dommage. Là, j'ai pas non plus grande place. Sinon, si... Bah, Dans ma mémoire, t'avais dit qu'il pleuvait, c'est que ça annonçait quelque chose de bizarre ou je sais pas quoi. Dans le QSMP? Oui, c'est dans le QSMP. Mais moi aussi, j'ai un peu un PTSD à chaque fois qu'il pleut, Sean. C'est pour ça que je me disais pourquoi personne réagit, c'est bizarre. Mais. On peut avancer ça un peu, je pense. Qu'est-ce que tu fais, Andrea, là? Pardon, Emily. Mais arrête, étonné! Oh, excuse de moi. Oh, waouh! Il y a des énormes arbres qui ont poussé de l'autre côté. Oui, c'est moi qui les... Est-ce que tu me vois là ou pas? Faut me chercher dans la montagne, mais je te vois pas exactement. Reviens vers les arbres et tu vas voir, peut-être. Attends, je fais pousser tous mes arbres d'abord. Oh, regarde, j'ai fait pousser l'herbe! Avec le bonne mille, on peut faire pousser l'herbe plus haut. Oui. Mais ça veut dire que si on fait pousser avec le bone meal, ça fait des arbres démesurément grands? Non. À part si tu mets 4 de base et que là t'essayes de faire pousser. Oh, mais t'as vu la taille qu'il fait? Je vais laisser comme ça en fait, c'est trop classe. Est-ce que tu me vois dans la montagne ou pas? Si tu me cherches.
Je vois le chien, une espèce de chien. Attends, t'es où toi? Je te vois, t'es dans en bas à droite. T'es caché, ça fait peur. Bref, j'ai pas trop d'endroits en fait pour faire ma scène comme ça fait chier. Mais c'est incroyable! Non mais. Oui, oui, ça oui. Ça fait des pétales de cerisier qui. Oh viens mais... voir! Mais non, mais j'ai déjà vu. Mais oui. Je connais ça. Ah non! Mais moi, ça j'ai fait jamais ça vu, mais je suis à l'autre bout de la map. Ça fait ça que quand il pleut? Ça fait pas ça que quand il pleut, non, je crois pas. T'inquiète pas, Yona, je vais les laisser. Comme ça, tu pourras voir. Là, je suis dans une frénésie de récolte de trucs parce que je passe rarement dans la jungle vu qu'il y a plein d'écosystèmes ici et que. Mais on a un coffre limité, c'est ça qui est chiant. Un quoi? Un coffre? Enfin, on a un. C'est pas un coffre, mais. C'est ce qu'on peut mettre dans notre dos, quoi. Je me sens à l'étroit dans cette montagne. Après, je t'ai filé quand même deux shulker box Katou, mais Capiche, mais tu les as pas pris. Ah ouais? Et en gros, le truc du shulker box, ce qui est intéressant, c'est que tu peux donc les avoir et ouais. Mettre des trucs dedans, le casser, et les trucs restent dedans, tu les mets dans ton inventaire, et genre tu peux le reposer et t'as encore tes trucs dedans, tu vois. Hein? J'avais pas compris. Je crois que j'avais pas compris. Ouais, c'est pour ça que tu l'as posé dans ta chambre. Oui, mais oui. Je m'en vais si tu veux. Non, c'est pas très utile. Utile en effet. Non. Pas de soucis. Pardon. J'aurais dû mieux t'expliquer, mais j'ai failli. Mais non, mais je crois que j'avais compris, mais après j'ai pas compris. Enfin, j'ai dû. Ouais, j'ai. Je sais pas, j'ai dû me perdre. Ah, ça y est, j'ai une idée. Si j'en fous là-dedans, est-ce que ça passerait? Donc, là-dedans. Peut-être ici, là. Vous vous rendez compte que là, je vais faire une armée de cerisiers autour de chez moi. Ok, vas-y, je vais faire une petite grosse salle des coffres ici. Petite grosse salle. Ah, voilà quoi. On va faire à la même base que l'autre. Avec la même idée que l'autre. Et donc, en gros, l'autre, c'est... une première rampe de 5 de large. Plus que ça même. Oui, plus que ça. 6, 7. 5 et après ça descend. Et après des petits trucs comme ça. Je vais faire des... Mais en version petite, donc peut-être juste de 4 de large, 3 de large. J'ai une question. Oui. Est-ce que si je coupe les fleurs des arbres, mais que je coupe pas de tout le bois, ça va repousser? Redis ça. Ah, par exemple, là, je suis en train d'enlever le fleur des arbres. Quand t'enlèves les feuilles et les fleurs, mais pas le tronc, est-ce que ça repousse? Non. Ah. Mais après, si tu fais tomber des blocs, pousses. tu peux les reposer, non? Ouais. Dessus. Ouais, mais là, je fais pas tomber des blocs parce que je tape dans les feuilles pour pouvoir récupérer des... Si on fait genre un truc comme ça plus... Pour, vous comprenez, pour faire pousser plein de cerisiers au cours de chez moi, quoi. Ok, si on fait un truc comme ça... Ok... Moi, j'étais partie pour du cuir, hein, à la base. T'es partie loin pour du cuir. Oui, je suis super loin. Est-ce que vous voyez les arbres autour de chez moi? Est-ce que c'est joli? Sûrement. Je sais pas. Mais Ayona, tu diras en rentrant. Bah, de ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est joli. Tu vois chez moi depuis chez toi, Capuche, ou pas? Je sais pas où c'est chez toi. Et à l'opposé de la maison de Touk. Regardez dans l'autre sens. Je te montrerai après. J'ai fait un... Ah, je crois que je vois. Enfin, je vois dans le... le début, quoi. Voilà, parce qu'en fait, mon ordinateur, je peux pas afficher trop loin. Et même avec le serveur, tu peux pas trop afficher trop loin non plus. Vous avez dit qu'il a failli mourir? Non, mais comment il a failli mourir, en fait? Ah, ça y est, je le vois, là. Je me suis mis un peu plus haut. De quoi? Le bout du tunnel? N'y va pas.
Moi, je vois la forme dans le brouillard. Je vois la forme de la tour dans le brouillard. Et toi, tu dois voir mon Ouf. armée de cerisiers. Après, c'est pas Regarde, mal parce que ça. je vois le début de chez toi, en tout cas, depuis la tour. Bah là, tu ne verras plus chez moi parce qu'il y a trop de cerisiers. Ça, tu utilises un peu Et en les fait, différents trucs, là, c'est pas mal. les cerisiers, ils sont tellement grands en termes d'étalage que j'arrive à faire des cerisiers qui, en fait, ils se retouchent. Vous comprenez ou pas? Ça fait comme une barrière, mais dans les arbres. Genre, les cimes des arbres se touchent entre eux. Et du coup, ça fait Je vais voir comme ça. une barrière. Ah Où ouais, en c'est effet. impossible de venir chez moi. C'est très joli. J'ai vu de loin. C'est pas vraiment impossible parce que quand on est à terre, on peut passer. Mais de l'extérieur, ça fait un peu protection. Non, c'est pas mal là. Pardon, excusez-moi, Je vais je suis pas en train de construire en réussir. même temps. Ça fait longtemps que j'ai construit en fait. J'allais dire enfin! Si De quoi? j'utilise énormément de bonne mine et qu'il veut pas pousser, c'est qu'il y a un problème. Je pense que c'est aléatoire, non? Ah, ou alors il t'a pas laissé assez d'espace au-dessus? Ouais, c'est ça qui est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a assez d'espace là. On va voir. Ça faisait longtemps que j'avais fait une salle, une petite salle comme ça. Enfin, que j'avais construit quoi. C'est pour ça que tu Ah, disais enfin. voilà. Pourquoi j'ai autant de spruce logs? Et du coup, ça permet d'aller de voir l'étendue de Ok. de ma barrière de cerisier. Tout, tout, ouais. Un peu moche, un petit peu moche, Bon, un petit allez. peu moche. Je vous laisse mourir. Ah bah bravo. Mais si tu te laisses mourir, tu vas revenir au spawn. Oui, mais je suis partie dans l'autre sens. Parce que Pourquoi? j'ai vu des vaches. Ça m'a dit. Ah oui. Ok. RIP. Et du coup, maintenant, j'ai des beaux cerisiers, mais j'ai plus envie de les couper, quoi. Est-ce que je vraiment je fais encore aussi? Oh là, ça saoule. C'est vraiment stylé, mais oh, ça me saoule. Comme ça. Un truc comme ça, le. Alors, t'aimes bien les élytras, Yuna? Ouais. C'est agréable. Tu les trouves comment, les petites fusées là? Alors faut que tu en fasses avec justement des trucs de creeper et c'est pour ça que j'arrête pas d'essayer de vouloir avoir des creepers. Et des feuilles. J'ai un bug, je connais plus le chemin pour venir. Et il faut que je prenne le grand pont ou que j'aille vers l'arrière et que je prenne vers le souterrain. Quand je vais aller vers l'arrière. Mémoire, c'était par Vers là. l'arrière, tu prends le souterrain. Quelle mémoire? Ouais, je sais. Je T'as beaucoup de mémoire, toi. parlais de moi, mais bref. ouais, je sais, je sais. Bah, c'est pas toi qui viens de dire tout ce qu'il fallait faire. Non, je l'ai dit avant. Ah, d'accord. Excusez-moi, c'est que je suis concentrée à tailler mes cerisiers. C'est trop Il y a un mignon. sanglier sur la route là. Putain, les sangliers de ces morts Non! là. Ah. C'est marrant parce qu'on entend ta voix et après on voit écrit que Oui. t'es mort. Tu veux de l'aide? Tu veux que je vienne t'aider?
Non. Moi, je te proposerais bien, mais je serais pas une do it. C'est quoi, là? Je vais t'attendre à l'entrée. Non. Je vais y arriver. Ça m'apprendra hein, de toujours oublier. Ah non, du coup, c'est par là. Ce changement lit. Ah, c'est sûr que je pense que tu l'oublieras pas. Je t'attends. Attends, mais sinon, j'ai buté quand même le sanglier qui est chiant parce que c'est vrai que c'est chiant ces bêtes-là. Bah, disons que toi, tu utilises un arc, mais quand t'as pas d'arc. Mais tu veux un arc? Non. J'arrive pas à viser avec. J'en avais. Fait un pour Silma qui n'en a pas voulu. Oh, il y a du bambou là. Normalement, ils sont morts. Bon, bah, je retourne en arrière parce que moi j'ai quand même deux choses à faire. Hein. Pas abusé là. En vrai, ça va aller. Oui. Je vais survivre. Ou mourir une quatrième fois. Je comprends pas pourquoi il veut pas pousser. C'est bon, cette fois, il y a probablement pas assez de place dans les feuilles au-dessus là parce que tu l'as mis à un endroit où c'est un peu galère, je pense. Ah ouais? Je pense. J'en sais rien, mais. C'est justement pour que les feuilles elles se touchent au-dessus que je l'ai mis là. C'est un 2 de décalage. Avec du bois normal. Ok. Maman! Tu veux de l'aide? Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Non, elle disait, je suis où? Je suis où, Oh, ça va? Non, mais j'ai pris le mauvais portail, je sais pas où je suis. Ah, t'as pris le portail des mangroves là. Ouais, elle a dit, je suis où? Je sais pas, il y a un cochon à l'arrivée. J'arrive. Attends, je vais le reprendre du coup le portail. C'est quoi, je viens et je vais chercher des panneaux. Je vais mettre des panneaux, comme ça tu seras sûr des endroits où tu iras. Oula, il y a un petit contact. J'ai plus de panneaux. Je vais faire des panneaux. Oh, oh merde. Ah. Elle est morte. Oui, j'ai vu. On va en prendre plusieurs. Je suis en train de me dire, à chaque fois, j'ai des idées qui sont un peu trop... Comment ça, mon meuf? Je sais pas comment dire, mais un peu trop extrémiste, tu vois. Extrémiste. Oui, vas-y, continue. Quoi? Alors, je veux mettre des cerisiers et d'un seul coup, je vais en mettre partout. Oui, d'accord. Mais ça peut être un petit peu... Mais c'est vrai que c'est... C'est marrant. Un peu extrémiste, tu vois. Ok. Je comprends pas pourquoi il veut pas pousser celui-là. Peut-être que j'en aurai pas assez, mais c'est pas grave, on prendra le bois du laser. Pire du pire. Alors. Donc. Vers le spawn. Vers le mangrove. Voilà.
Tac. Vers la ferme à Est-ce que vous savez XP. qu'il y a encore le Turtle Cap? Quoi? Attends, je vais décaler ça. J'ai pas Vous savez entendu. que c'est moi qui ai encore le Turtle Cap? Le Turtle C'est Cap. quoi un Turtle Cap? Mais c'est quoi un Turtle Cap? Bah, vous savez ce que c'est. Ah non. Vers Turtle le Shell. Vers le... Moi j'en ai jamais eu des Turtle Shell. Swamp. Bon, bon. Mais moi c'était celui de Toop, mais je lui ai ah, volé. Ah, c'est vrai. Bientôt arrêter. Est-ce que ça se voit? J'arrive, hein. Je te crois. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il se voit mon panneau ou pas? Il est où? C'est l'énorme sanglier qui est en train de me buter, ton panneau? Non. C'est mes cobblestone. Elle voit le cerisier qui pleuve, enfin qui les pétales de cerisier. Elle arrive. Si elle meurt pas avant. Je suis perdue. Comment ça t'es perdue? À l'aide! Comment ça t'es perdue? Mais je comprends pas ton panneau! J'arrive. Non. Arrête. Il a poussé le cerisier. Il s'est encastré dans mon truc. Je me suis mis dans le tunnel. J'arrive. Sauve-moi. Il est où? Mais t'as pas de d'or sur toi, non? Si? Putain. Bah suis-moi. C'est pour ça? Est-ce que t'as de la nourriture? Tiens, prends. Oui, c'est bon, j'ai des patates, merci. Ok, c'est parti. Ok, c'est bon. Par là, tu suis les blocs en pierre, là. Hein oui. Ok. Là, le panneau, il dit d'aller vers là-bas. Mais non! Je dis que là-bas, il y a le spawn et le mangrove. Et c'est en dessous là, c'est par terre. Ah oui, en effet, je suis allée à l'autre. Non, j'ai pas compris ton panneau parce que la flèche, elle monte dans l'autre sens. Ah non, elle monte dans ce sens-là. Non. Mais elle monte dans l'autre sens pour dire, bah, là-bas, tu vas vers le spawn et le swamp mangrove. C'est de là d'où tu venais. De là d'où tu viens, il y a le spawn et le swamp mangrove. Et oui, le spawn. Ok, oui. Ok, je change de nom. Tu veux quoi comme nom? En fait, je pense que là, il faudrait que tu mettes que la maison, c'est dans l'autre sens. Oui, mais je vais en faire, mais attends. Ah! Le spawn, ça te va ou... Oui, c'est très bien, pardon. Vers le soin. Alors, attention, il y a mon épreuve ultime. Et donc, dans l'autre sens... Regarde ce que j'ai fait. Je sais pas comment l'appeler. Vers la maison. Voilà. J'arrive, capiche. T'inquiète pas. Portail du Nether. Il y a Star qui demande si la maison. T'as trouvé son passage. Ah oui. Dis quoi? Si Touk a trouvé son passage. Bah oui. Il était pas là quand j'ai trouvé? Allô? T'es là? Allô? Oui. T'étais pas là quand j'ai trouvé? T'es là! Ayuna, elle est là! Et t'as vu? T'as vu, ça pleut des cerisiers! Je sais pas ce que c'est ce portail. Mais elle répond plus. J'entends pas très bien, ouais. Et ça, je m'en branle un peu de son. Passe Ayuna. Au revoir. Allô. Allô. T'as vu Ayuna? Oui, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai mis des fleurs qui pourraient aller bien avec j'ai dans eu peur le du son. Là. Merci. C'est les lilacs et les péonies. Il y en a deux. Ouais, les deux.
Les Et les péonies, petits je connaissais voiles. bien, mais les lilas, je connaissais pas et j'en ai vu chez toi et j'ai trouvé ça très joli. Et tout Non, qui j'aime m'avait trop ce que donné. t'as fait. Tout qui m'avait donné des pink pétales. Mais je sais pas comment on les fait ou comment on les trouve. Probablement avec une seal touch. Ce qui est le cas. Ah, c'est en creusant dans les trucs des cerisiers, c'est ça, non? Ben, Je sais avec pas. la skill touch pour les cerisiers, je récupère juste le bloc de cherry leaves. Ah si, c'est des Juste trucs ça. par terre, je pense. Mais ça, c'est dans le biome et tu peux pas en avoir là, je pense. Ah, donc faut que je les utilise avec parcimonie. Ouais. Peut-être que si je les pose et que je mets des bonnes mills, ça va fleurir partout. Ouais, peut-être, oui, vas-y, essaye. Attends, je vais essayer si ça le Probablement. fait. Vraiment, j'en mets partout. Ok, donc Oui, ça c'est bon. ça marche! Ça marche, ça m'en rejette, ça m'en donne, je peux les Let's multiplier! go. C'est incroyable! Là, on fait un truc comme ça. Vers les différents Trop mignon! divers. Je vais pas en mettre trop partout, mais je vais en mettre quand même un peu partout. Non, mais je vais pas recouvrir tout le truc, mais je vais en mettre un peu partout quand même. Oui, c'est ce que tu Je vais veux faire dire. là-bas. Vers le spawn. Ah, en vrai, c'est trop rigolo, genre ce changement de de biome d'un coup. Mangrove. Oui. C'est bien, non? Oh, mais j'aime trop, hein. C'est le biome de moi. Capiche Ok. biome. C'est trop bien parce que tu peux avoir une vue panoramique sur les cerisiers. Comment? Puis sur les cerisiers, là, du coup, t'as une vue un peu sur tout. Ouais, C'est c'est rigolo. ça. J'ai été moi aussi sur les cerisiers tout à l'heure. Ok, donc là on a un premier portail où on va dire attention! Ici, ce n'est pas celui que vous pensez être. Peux dire attention, Alexia. J'ai compris. Ben non, du N'importe coup, quoi. il va pas dire ça. Il va dire attention à Yuna. Oui, Ah oui, il y en a j'ai pu dire ça. plus. Ok. Vers le spawn. Ok, vas-y, on va faire un truc comme ça. Non, pas comme ça. Et tout, tu m'as toujours pas expliqué comment on fait des verres. Mais je sais pas. Regarde sur ton petit livret de choses là. J'ai pas trouvé. J'arrive, j'arrive. Pour faire quoi? Le swamp. Attends, j'ai du verre dans mon inventaire. Mangrove. Et il me dit pas comment. Et derrière. J'ai Derrière. marqué recherche glace. En fait, il faut Tu veux du de. vert clair ou du vert foncé? Non, c'est pas la vert la couleur. C'est du vert. Ah, tu veux juste du vert? En fait, j'ai du vert. Portail est à Et je sais pas droite. comment on fait du stained glass. J'ai du glace. En Et tu haut. sais, le glace, on Oui. peut faire du stained Il est glass. là-bas. Oui. Et ben le stained glass, je crois qu'il faut que d'abord tu le découpes. Voilà. Pas grave. Je vais en prendre autre En part fait, il et. faut d'abord que tu le mettes en mode fenêtre. Vers les maisons. Non, tu peux aussi le faire en mode. En fait, tu veux quelle couleur de stained glass? Bah, tout qui me le faisait quand on avait commencé à construire la maison ensemble, il faisait blanc et rose. Du coup, pour du rose, il faut du pink dye. Et je sais pas comment on fait du pink dye. Pink dye, c'est avec des lilas. Peut-être que c'est avec Cherry aussi. Lila, magenta. Ah, moi j'ai que du magenta dye, pas du pink. Pink c'est avec.
avec des tulipes pour faire le rose, pour faire le colorant, il me faut des tulipes pour le rose clair. Si tu veux du magenta, c'est des lilas. Et pour le blanc, le white dye. Je sais pas ce que c'est. Mais comment ça, comment c'est ça, meuf? C'est du bone meal pour le white. Ok. Et tu le mets dans un truc de craft avec du vert stained. Ouais, en fait, c'est ça. Il faut du vert en mode carreau, là. Vraie question. Cool, avec tes blocs aussi, pardon, ça marche. Ok, normalement, là, j'ai tout... Ça peut pas être plus... Hein. Voilà. Merci, Ayuna. Attends, mais tout qu'on est d'accord que pour faire des blocs de verre en couleur, c'est la même chose que pour les glass stain là. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai pas compris. Pour le verre, il y a deux formes. Il y a la version cube et la version fenêtre. Oui. Mais est-ce que c'est les mêmes recettes pour les versions cube, pour les colorés, que pour les versions fenêtres? Parce que moi... J'ai la recette pour les versions fenêtres, mais pas les versions cubes. Eh bien, je vais te dire ça tout de suite. C'est du colorant au milieu et plein de glace autour. C'est ça. Et du coup, pour le colorant rose, c'est des tulipes roses qu'il faut. Est-ce que j'en ai ? J'en ai plus. Est-ce que vous avez des améthystes shards ? C'est du bon. Des quoi ? Des améthystes shards. Ouais, moi j'en ai plein. Parce que. Les shards, c'est juste les bouts. Ouais, parce qu'en fait tu peux faire des vitres, mais teintées vraiment avec le shard de l'améthyste. Non, je vais aller en chercher. Je crois que j'en ai aussi, donc peut-être que je vais réussir à en faire un peu. Ouais, j'en ai aussi. Déjà, je vais aller me coucher dans mon lit. Très bonne idée. Oh waouh! Elles sont un peu violettes les... Oh! Attends, je vous les apporte, je vais vous montrer. Si t'en as plein, vas-y, rapporte. Bon, je vais vous laisser, moi. Attends, je te montre juste ça. J'ai bien avancé sur... Je te montre juste ça. J'arrive. Ah ouais, c'est stylé, j'aime bien. Ça fait un peu une forêt de... Oui, mais en fait, si t'es au sol, tu verras que c'est pas une forêt. C'est... Assez agréable. C'est relié. Tu vois, c'est relié. Ouais, je vois. Quand tu passes dessous, tu le vois. Et si tu peux faire dessous, t'as les pétales qui tombent dessus. Et regarde l'entrée. J'ai mis plein de fleurs comme ça. Et mon sol, c'est ça. Et après, je rentre ici. Comme ah, ça. Trop stylé. Ah, ça revient. Regarde. Ça, c'est pas des vitres teintées noires comme on en a l'habitude. C'est des verts teintés, mais un peu violets. Est-ce que tu vois? Ah, j'aime pas mal ça. Ça, c'est très stylé. Et tu l'as teinté avec quelle couleur? Alors, en gros, c'est un truc différent. Là, il te faut des améthystes shard. Donc, c'est ce que va apporter Ayuna. Avec du vert. Et du coup, ça te donne un truc un peu comme ça, en fait. Qui est un peu violette, c'est. Bon, je t'en pose là, mais tu pourras les enlever. Okay. C'est juste pour te montrer. Avec la lumière du soleil. Bah, j'en ai que deux. Non, ah oui. Ah. J'avais une skill touch, t'inquiète. Tu m'as fait peur. J'ai eu trop peur. Je vais les mettre là. Très bien, comme tu veux. Ça marque l'entrée. Après, quand j'en aurai plus, peut-être que je... Ah non! J'ai oublié de cliquer deux fois. Je t'apporte les trucs d'améthyste, Gabi. Merci. Je suis trop con, j'avais pas mes élytras dessus. J'étais en mode, mais pourquoi j'arrive pas à voler? Mais moi, en fait, sur le clavier. Ah, mais tu vas vers chez moi là? Ouais, je vais voir. Et je suis dans l'eau. Attends, j'ai bien avancé. Je vais juste montrer à Niglo et après je me déconnecte. Tu peux venir voir deux secondes? Tiens, regarde, j'ai ça pour toi.
Merci. J'ai déjà piqué plein, by the way. Ah bah sympa. C'est pas comme si c'était une ressource galère à avoir. Je vous fais un gros bisou. Okay, ça je reste juste un tout petit peu sur la map, mais je vous fais un gros bisou, comme ça je vous laisse tranquille. Bisous. Ok, gros bisous. Je sais plus ce que... C'était parti chercher quoi ? Les améthystes. Ah oui, c'est ça. Attends, je me suis affalée dans ma chaise. C'est plus, j'ai fait un retour caméra, il y a juste ma tête qui dépasse en mode « Ah, je suis fatiguée !» Et ben, tiens, regarde, j'ai un peu de verre, si tu veux essayer. Parce qu'en gros, tu peux faire les trucs qu'elle a mis à l'entrée, là, un peu en violet. Genre, c'est pas noir-noir, c'est violet foncé. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien. Ouais, c'est stylé. Voilà. Cool, bon, merci. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là aussi. J'aime trop qu'il y ait des pétales qui tombent partout. Ouais, c'est très stylé. Et les blocs, là, avec les fleurs dessus, ça se trouve où ? Les blocs avec les fleurs dessus. De feuilles avec les petites fleurs roses. Eh bien, ça c'est un autre arbre qui est à côté de chez moi. Tiens, viens à l'entrée. Ah, je croyais que c'est toi qui l'avais mis. Ouais. Bah, tu vois, ok, du coup. C'est les arbres qu'il y a à côté des bambous aussi. Ok. Voilà. Eh ben, tu peux en couper. Il y a un biome spécifique où t'as ces arbres-là ou... Tu en trouves à certains endroits, mais il n'y a pas vraiment de biome, c'est juste des petits endroits. Ok. Voilà. Merci. Pas de soucis. Bon, je vais m'arrêter là pour le live, mais je vais peut-être continuer en off. En off. En off un petit peu. Okay. Ça marche. Ah, bisous. Eh bah écoutez, c'était très sympa. C'était très très sympa, merci beaucoup pour cette soirée, voilà, très très chill. Petite session du dimanche, bon au final j'ai joué une heure de plus que ce que je voulais. Mais c'est très cool, on live demain, je sais pas encore sur quoi. Peut-être Trackmania, j'ai vraiment envie de rejouer à Trackmania, c'était assez cool le live qu'on avait fait la dernière fois, c'était très chill et très très marrant. À écouter de la musique en boucle et à essayer de dépasser ce qu'on pouvait faire, c'était assez marrant. Donc voilà, c'est mes petits objectifs. À demain, bonne soirée et bonne nuit.